Monsieur Ménard a 50 ans, agrégé de sciences naturelles, ni beau ni laid, ni gros ni grand, c'est un célibataire modèle. Monsieur Ménard sort du lycée, une serviette en cuir à la main, il s'est fait un peu chahuter, ils sont pas marrants. C'est entre la haine et l'amour, entre le cauchemar et le rêve, entre le fer et le velours. Monsieur Ménard a 50 ans, il se sent pourtant un vieil homme. C'est vrai que depuis tout ce temps, il n'a rien appris à personne. C'était un jour en terminale pour une histoire assez banale. J'ai cru qu'il allait me frapper, alors j'ai cogné le premier. J'ai donné un grand coup de tête pour frimer devant les copains. Je lui ai cassé ses lunettes, ils sont pas marrants les gars. Monsieur Ménard est maintenant un professeur à la retraite. Il doit vieillir paisiblement et il m'a oublié peut-être. Mais moi je n'oublierai jamais ses bons yeux tristes dans les miens, ses bons yeux tristes qui disaient: oh, ils sont pas marrants.